Bonjour. Ça va bien? Oui. Bon, le soleil il veut sortir, hein? Mais vous êtes venus, ça équivaut à la même chose. Hein? Alors, le message ce matin, il va apparaître à l'écran, vous l'avez vu tantôt, c'est guide vers une croissance chrétienne normale. Alors, ce n'est pas tout à fait ce qu'on s'attend comme titre, vous allez voir la suite. Et si vous avez votre Bible, je vous inviterai à l'ouvrir dans 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, verset 23. Et puis, le verset va comme ceci. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Autrement dit, vous rendre saint ou mis à part. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Thessaloniciens 5, 23. Je ne sais pas s'il y en a ici qui savent qu'au GBRS, dans notre Église, il y a des champions au quai, parmi les aînés. Oui. Et je vais vous laisser faire votre enquête vous-même pour trouver qui ils sont. Je les vois sourire. Bien, il y en a qui ne sont pas ici. Là. Il y en a quelques-uns qui ne sont peut-être pas ici ce matin. Mais si, par exemple, imaginez que le jeu de bowling ou de quai, comme on appelle souvent, si vous ne pouviez pas voir les quilles que vous essayez de frapper, de faire tomber. En 1933, il y a un ami Bill Knox de Philadelphie qui a fait exactement ça et a eu un jeu parfait. Bill avait fait placer un écran pour cacher sa vue des quilles. Et son but était de démontrer la technique, ce qu'on appelle du bowling spot. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ça, le bowling spot, qui consiste à lancer la boule à une marque ou vers une marque sur le plancher à l'extrémité proche des quilles. Comme beaucoup de quilleurs, Bill savait que vous pouvez faire mieux que ça aux quilles. Je me rappelle quand j'étais plus jeune à la télévision, dans les débuts de la télévision, il y avait à tous les dimanches après-midi, il y en a peut-être qui se souviennent de ça, il y avait une émission avec les quilles, puis je trouvais que l'animateur était monotone à mort. Mais pour ceux qui jouaient aux quilles, il devait y avoir beaucoup, beaucoup d'action. C'est un peu comme aux échecs. C'est tranquille, mais il se passe tellement d'action dans la tête de ceux qui sont au jeu. Alors, si vous visez d'après une marque, c'est ce que Bill avait trouvé, Bill Knox, si vous visez d'après une marque qui est près de vous, qui est près de la ligne des quilles, il a prouvé son point pour faire un jeu parfait avec 300 de 12 frappes dans une rangée. Ce qu'on appelle le spot bowling illustre bien l'approche que vous et moi, nous devons avoir face à la vie chrétienne. Lorsque l'apôtre Paul a écrit aux Thessaloniciens sur le retour du Seigneur Jésus-Christ, il leur rappelle que le but ultime de leur salut est d'être irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable. Quand je vois ce mot-là, moi, ça me semble une impossibilité à première vue, cette demande-là. Pas vous? Ça semble comme elle. Est-ce que c'est possible? Alors, le message est basé là-dessus aujourd'hui, sur ce passage-là. Paul leur apprend à concentrer, et c'est assez étrange. Hier, j'écoutais le témoignage de M. et Mme Ferland, de Josaphat et Françoise, puis elle touchait ce sujet que j'allais donner ici ce matin. On voit que l'Esprit dirige merveilleusement, tout le temps. Et puis, je trouve que c'est ce que je viens de montrer avec les quilles comme illustration. C'est en ligne avec cet objectif d'être irréprochable. Ailleurs, aux Philippiens, l'apôtre Paul leur dit, « Ce que je demande,
dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Voyez-vous, dans Philippiens, chapitre 1, verset 9 à 10, c'est répété la même chose qu'on a lu aux Thessaloniciens. Et puis, je regardais dans le dictionnaire le mot consécration, c'est tellement différent de ce qu'on retrouve dans la Bible, quoiqu'il y a des éléments qui touchent quand même ça. On dit la définition, en religion, fait de consacrer, de vouer à Dieu. On dit aussi, en liturgie catholique, fait de consacrer le pain et le vin. Et puis, en religion, il manque un petit bout ici à l'écran, en religion, chez les protestants, c'est écrit dans le dictionnaire, ordination de pasteur. Et puis, quatrièmement, reconnaissance publique. Donc, c'est ce qu'on donne comme explication du mot consécration. Mais dans la Bible, nous lisons, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Dieu, de Christ, tendons à ce qui est, et encore une fois, le mot qui suit me dérange comme chrétien. Parce que ça dit ce qui est parfait. Et je sais qu'en moi, il n'y a pas de perfection. Peut-être qu'il y en a ici qui pensent qu'il y a de la perfection en eux. Je ne pense pas non plus, hein. On est tous honnêtes là-dessus. C'est marqué sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Dans Hébreux 6, 1. Alors, ce n'est pas par nos efforts personnels, par mes efforts personnels. Le même passage de Hébreux 6, 1 en français courant, et j'aime bien le lire ici en français courant, c'est écrit « Ainsi, progressons afin d'aborder un enseignement d'adulte en laissant derrière nous les premiers éléments du message chrétien. » Et ça continue en disant « Nous n'allons pas poser de nouveau les bases de ce message, la nécessité de se détourner des œuvres inutiles et de croire en Dieu, parce que c'est déjà fait. » On a déjà accepté le Seigneur, on sait qu'on est déjà justifié. Notre salut, c'est chose faite. Alors passons à autre chose. Une fois né de nouveau, il y a beaucoup d'autres sujets à considérer et à examiner pour nos vies. Généralement, le croyant accepte qu'il a été justifié et pardonné. Il comprend ça facilement. À cause de sa foi qui a été placée dans l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Il est sauvé, il est justifié, il est pardonné. Mais il croit qu'il sera enfin sanctifié ou consacré et qu'il deviendra un meilleur chrétien à force d'essayer de manifester sa reconnaissance au Seigneur pour tout ce que le Seigneur a fait pour lui. C'est ce que j'entends généralement comme explication, pas vous? Alors le chrétien se dit, le Seigneur a tout fait pour moi, maintenant je pourrais au moins faire un effort de reconnaissance envers lui. C'est ce qu'on entend, c'est ce que j'entends. Alors généralement, plusieurs chrétiens croient qu'on est justifié, rendu juste, par la foi dans le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce que la Bible nous enseigne. Et qu'ensuite, on est consacré ou sanctifié par les œuvres. Alors, on se met dans la chair, dans notre volonté. On essaie de faire autant d'œuvres que possible pour pouvoir se sanctifier. Le croyant sincère, voulant bien faire les choses, pense que puisqu'il a le désir d'obéir à Dieu, et que c'est ce que Dieu s'attend de lui, il devrait essayer au moins de faire des efforts de consécration personnelle avec, sûrement, avec l'aide de Dieu. Il demande l'aide du Seigneur pour pouvoir s'amender et faire des choses dans sa vie. Alors, le croyant réalise. Est-ce que vous l'avez réalisé aussi? Moi, je l'ai réalisé.
J'ai réalisé que la reconnaissance seule n'est pas une puissance très très forte pour démontrer ma sanctification devant Dieu. C'est comme ça ne dure pas tellement longtemps, ça. C'est pas très fort pour me rendre vainqueur. Alors, il y a la prière, oui, c'est très bien. La prière est recommandée. La prière, si merveilleuse soit-elle, je réalise, n'est pas ce qu'il me faut pour vraiment me considérer comme autant sauvé, autant sanctifié. La sanctification, c'est s'approprier par la foi cette réalité, la réalité en vous du ressuscité. C'est tellement beau quand elle a souligné ça, ou Josepha, il y a dans son témoignage, ils ont souligné la résurrection du Seigneur. Alors, c'est le ressuscité, le Seigneur Jésus-Christ, la réalité, s'approprier par la foi, cette réalité du ressuscité du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a donné une nouvelle vie. Un jour, elle va être complète, une fois qu'on est avec lui. En préparant le message, en préparant ce message-là, c'est un message d'ailleurs que j'avais, le brouillon, je l'avais donné, je l'avais partagé aux aînés, à une réunion d'aînés. Je fais toujours ça de temps en temps quand c'est à mon tour d'apporter la méditation. Je leur donne le brouillon de ce que je suis en train de préparer pour l'assemblée. Alors, il y a certains éléments qu'on avait touchés, puis en préparant ça, j'avais reçu une phrase sur Internet dans un courriel d'un anglophone qui disait ceci. God loves you because of who God is, not because of anything you did or didn't do. Alors, si vous avez compris ça en anglais, là, si vous comprenez assez l'anglais pour comprendre ça, c'est difficile de le traduire, mais je vais le traduire. Et vous allez voir. Dieu vous aime à cause de ce qu'est Dieu. Et non pas à cause de tout ce que vous avez fait ou n'avez pas fait. Ça prend un instant pour le laisser pénétrer en nous, dans notre cœur, dans notre esprit, là. Ce que Dieu demande, c'est de lui présenter notre corps physique. On est encore dans notre corps physique, comme sacrifice. Nous lisons dans la parole, « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Car c'est Dieu, nous lisons ailleurs dans Philippiens 2:13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. C'est Dieu en vous, le ressuscité en vous, là, qui produit le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est pour ça que des fois, il y a une lutte en moi. Il y a l'Esprit de Dieu, puis il y a ma chair, il y a ma volonté. Il y a une lutte continuelle. J'ai entendu des fois des jeunes chrétiens dire, « J'avais pas cette lutte-là avant d'être converti. Ça va plus mal maintenant qu'avant. » Oui, c'est entendu, parce que cette lutte est continuelle pour le chrétien. Le croyant qui réalise son incapacité de plaire à Dieu par lui-même, quand je réalise ça, par ma propre volonté, j'accepte mon besoin de Dieu de tous les instants de ma vie, à tous les jours. C'est pas une fois pour toutes. Le salut, c'est une fois pour toutes. Mais la sanctification, c'est à tous les instants de chaque jour. Là, je peux connaître une vie meilleure pour Dieu, une vie joyeuse, une vie qui glorifie Dieu. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. OK? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est écrit. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté. Hein? Je peux arrêter toutes sortes d'habitudes. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Soyez francs avec vous-même devant ce verset-là.
J'essaie d'être le plus franc possible vers ce verset-là. La parole continue en disant « misérable que je suis ». C'est l'apôtre Paul ici qui dit « misérable que je suis ». « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» écrit l'apôtre Paul. « Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Au cours de notre vie, de tous les jours, il arrive que vous allez attrister le Saint-Esprit. Est-ce que ça arrive qu'on attriste le Saint-Esprit? Oui. J'attriste le Saint-Esprit. Ou la source tarie, la source divine, tarie dans ma vie au cours de ma marche de vie chrétienne. Toutefois, vous pouvez compter sur la puissance de Dieu qui vous habite. Le ressuscité vous habite, l'Esprit de Dieu est en vous. Ça, c'est parfait. Ça, c'est complet. Quelle que soit votre faute, votre péché, demandez à Dieu son pardon. Dans un des versets favoris ici, c'est 1 Jean 1,9 qui nous aide à nous mettre en règle avec Dieu sans tarder. Il est écrit dans 1 Jean 1,9, justement, « Si nous confessons nos péchés. » Et ça, ce n'est pas une fois pour toutes, ça peut être plusieurs fois par jour. Si nous confessons, moi j'appelle ça la respiration spirituelle. Quand je me suis réveillé ce matin, mon épouse dort, elle avec l'oxygène maintenant, à tous les soirs, c'est nécessaire pour elle. Mais je respire moi aussi de l'oxygène et vous aussi. Ce matin, quand je me suis réveillé, je n'ai pas dit, bon, maintenant, je vais respirer tout l'oxygène pour la journée, puis je vais être correct après ça, je peux arrêter de respirer. Non, je continue à expirer, puis à inspirer toute la journée. C'est ce que j'appelle la respiration spirituelle de ce qu'on voit ici dans le verset 1 Jean 9. Regardez bien. Si nous confessons nos péchés, hein, j'expire. Il est fidèle et juste pour nous pardonner et purifier, nous purifier de toute iniquité. J'inspire. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Selon sa promesse, il nous a pardonné et lavé de nos péchés, de votre péché. Remerciez Dieu de ce que vous êtes rempli de nouveau par son esprit. Une fois que vous avez confessé et l'instant après, Seigneur, merci, je suis pardonné. Je suis sanctifié. Je viens d'admettre. Et cette pratique-là, c'est comme Françoise disait, je reviens encore à leur témoignage, j'ai tellement aimé. Je l'ai réécouté rendu à la maison. Quand elle dit que M. Racine lui a dit, est-ce que vous continuez à croire ce que la parole dit? Puis elle dit, je répétais le verset dans ma tête jusqu'au moment où c'est devenu pour elle une réalité dans sa vie. La parole de Dieu. Si vous avez de la difficulté, si j'ai de la difficulté à croire quelque chose, je vais l'apprendre par cœur, je vais le répéter. Vous avez remarqué comment est-ce qu'il a récité presque tout le chapitre dans Ésaïe de son cœur. Moi, j'ai eu les larmes aux yeux en le réécoutant à nouveau. Ça venait vraiment de son cœur. C'est ça la parole de Dieu qu'on met dans notre cœur. C'est parfait, ça vient de Dieu, ça vient du ressuscité qui vit en nous. Et c'est de se répéter ça. Et l'Esprit, finalement, nous communique à notre esprit que nous sommes vraiment des enfants de Dieu, justifiés, sanctifiés. Et sanctifiés, ça c'est à tous les instants. Ce n'est pas un don qui nous est donné à notre conversion pour le reste de la vie, mais c'est quelque chose de continuel, de tous les instants. Se repentir et recouvrir le Saint-Esprit par la foi redonne la plénitude de l'Esprit, l'acte de la foi est agréable à Dieu. Nous sommes sanctifiés par sa vie de résurrection en nous. Il est écrit « Car Christ est ma vie » dans Philippiens 1,21. Lorsque Paul dit « Christ est ma vie », il parle de Jésus ressuscité quand il dit « Christ est ma vie ». Toute autre chose que sa vie en nous n'est pas vraiment la sanctification. Ça peut être le moi, ça peut être ma volonté, mon caractère, mes efforts. Voyez-vous? Mais toute autre chose que sa vie de résurrection en moi n'est pas vraiment la sanctification.
J'aimerais vous citer deux personnes. La première, c'est Andrew Murray. Peut-être que vous avez des livres d'Andrew Murray à la maison. C'est un ministre, un pasteur, un théologien, un écrivain sud-africain qui est maintenant avec le Seigneur. Il a écrit « Une connaissance superficielle du plan de Dieu conduit à penser que si la justification est l'œuvre de Dieu par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, la sanctification, la croissance, est notre travail. » Il continue, accompli sous l'influence de la gratitude que nous ressentons pour la délivrance que nous avons vécue dans le Seigneur par le secours du Saint-Esprit. Il continue, mais le chrétien acharné se rend vite compte que peu de gratitude peut lui fournir le pouvoir. Il croit que plus de prières lui fournira plus de puissance. Il finit par découvrir que, c'est vrai, la prière est indispensable, mais elle ne suffit pas. Ensuite, il ajoute, jusqu'à ce qu'il écoute l'enseignement de l'Esprit et glorifie le Seigneur Jésus-Christ à nouveau pour chaque chose dans sa vie. Notre sanctification appropriée par la foi ne se trouve qu'en Jésus seul. Andrew Murray a fait cette citation. Alors, le chrétien peut penser que parce qu'il a de la volonté, que ça va lui suffire. Le désir de vivre une vie qui plaît à Dieu est un don permanent qui nous vient de Dieu. C'est un attribut de la nature nouvelle que Dieu a placée en nous. Le pouvoir de faire n'est pas un don permanent. La sanctification n'est pas un don permanent, mais est reçu continuellement par le Saint-Esprit, à chaque instant de chaque jour de notre vie. La justification est un don. La sanctification, ce n'est pas quelque chose de permanent, c'est quelque chose de continuel par l'Esprit de Dieu. Voyez la différence. Conscient de ma propre impuissance comme croyant, j'apprends que par l'Esprit Saint, je peux mener continuellement une vie remplie du Saint-Esprit de victoire. Si j'ai un échec, je n'attends pas à être couché le soir pour régler la question. Sur le champ, immédiatement, je le confesse à Dieu. Je laisse mon orgueil, ma fierté de côté. Et je le confesse au Seigneur. Je l'appelle par son nom. Je n'essaie pas de me justifier. Voyez-vous, on le dit tel que c'est. Et puis, le Seigneur nous entend. Et tout de suite après, j'inspire le pardon. J'inspire cette sanctification qui vient de Dieu. Là, j'ai l'Esprit de Dieu qui agit en moi. Et il peut se servir de vous, de moi, pour le servir là où il veut. Dieu ne peut accepter autre chose que la vie du Christ en nous. Maintenant, je vous cite une autre personne, et vous connaissez peut-être l'auteur, c'est J.C. Metcalf. C'est un autre auteur chrétien renommé, qui voit à la fois le problème, il parle du problème et de la réponse en ce qui concerne ce qu'on est en train de voir ensemble. Il écrit « L'enseignement moderne de la consécration » qui équivaut à la consécration du vieil homme. Hein, voyez-vous? C'est bien dit. Ça, c'est l'enseignement moderne de la consécration. On essaie de consacrer le vieil homme, la chair. Cherche à contourner la condamnation à mort de notre ego. Par conséquent, ne conduit qu'à la frustration et à l'échec. Il continue, « Mais lorsque vous et moi, nous sommes prêts, dans une humilité simple, à rendre le fait de notre mort avec le Christ notre base quotidienne de vie et de service, rien ne peut empêcher le débordement de la nouvelle vie et rencontrer le besoin des âmes assoiffées tout autour de nous. »
dans Romains 6:6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, l'apôtre Paul, quand il écrit ça, là, il n'avait pas vraiment été mis littéralement sur une croix, là. Mais il le dit. J'ai été crucifié avec Christ. Il n'avait pas été mis à mort sur une croix. Mais le Christ l'a été mis à mort sur une croix pour nous. Il s'est identifié à ça. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Ça doit être un autre verset à apprendre par cœur, à se répéter souvent ça. Pour finalement l'accepter, le croire, l'assimiler. Autrement, il est difficile à lire juste comme ça. On ne peut pas le comprendre, mais si on le lit, on l'apprend, on le dit assez souvent, on va finalement l'assimiler, se l'approprier par la foi. Jésus a été crucifié à la croix pour moi. Ai-je, moi aussi, été crucifié avec lui à la croix? Il faut répondre à cette question-là. Ce n'est pas un esprit, puis le verset a été cité encore hier, j'étais surpris d'entendre ça, c'était tout mon message écrit d'avance, parce qu'elle a cité ce verset, vous vous rappelez, vous vous en rappelez. Le verset dit, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Dans 2 Timothée 1:7. Lorsque nous reconnaissons, lorsque vous reconnaissez que notre chair est faible et que nous nous soumettons à Dieu, il est notre force. Dans notre faiblesse, il est fort. Et rien n'est impossible avec Dieu, avec lui, si nous plaçons notre foi en Jésus. Néhémie 8:10 dit, « Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. » Comment peut-on avoir la certitude que sa joie en nous peut nous apporter une force spirituelle? Cette parole est certaine, si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. À tous les instants de chaque jour, j'ajoute ici, dans 2 Timothée 2:11. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, dans 1 Pierre 2:24. D'essayer la consécration du vieil homme, le vieux, le moi, la chair, d'essayer la consécration du vieil homme par mes efforts, c'est de faire des efforts d'échapper ou de bypasser, pour utiliser, excusez le terme anglais, d'échapper, de dériver de la sentence de mort. Toujours au sens figuré, bien sûr, on ne parle pas de suicide. De la mort du vieil homme, de mon égo. Lorsque vous et moi, humblement, nous acceptons de mourir à notre volonté, à nos idées charnelles, rien ne peut empêcher la vie de Jésus de jaillir de votre vie pour rencontrer vos propres besoins et ceux des autres autour de vous. La question est celle-ci. Quelle vie doit être consacrée au Seigneur? Notre vieille nature d'Adam et Ève ou notre nouvelle vie cachée en Jésus? Répondez. C'est à vous de répondre. Dieu n'accepte que ce qui est centré sur Jésus, le Fils de Dieu, qui est notre vie. D'avoir été justifié par Jésus devrait s'en suivre le fruit de l'esprit qu'on connaît, l'amour, la joie, la paix. Avez-vous remarqué que ces choses-là, ces qualités spirituelles, vous les avez, des fois vous les perdez,
quand la chair prend le dessus. Mm-hmm. Alors, je vous ai parlé tantôt de la lutte qu'il y a continuelle, la confession, l'expiration, l'inspiration. Eh bien, quand ça vient de l'esprit, on vous est surpris, je suis surpris moi-même, que Dieu me fait exercer de l'amour que je n'ai pas naturellement, ou la joie, peut-être que quelques-uns n'ont pas naturellement. Mais quand tout à coup vous l'avez, ça vient de Dieu. La patience, peut-être une des qualités où on a en général le plus besoin. Tout à coup, on s'aperçoit qu'on est patient. Eh bien, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de la chair. Il y en a qui l'ont naturellement, mais il y a des choses qui viennent vraiment seulement de l'esprit. La bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5, 22. Puis aussi, j'ajouterais le désir de servir le Seigneur, d'haïr le mal, d'être attristé par le mal, de résister au mal. Tout ça, ça vient de Dieu, de l'Esprit de Dieu en nous. Donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres. Se considérer mort au péché, mort à soi-même, mort aux idées pernicieuses du monde et vivant pour Dieu dans la vie, dans le Fils ressuscité, pour marcher en nouveauté de vie. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. On sait comment? La respiration spirituelle, continuelle, à tous les instants de tous les jours, pour garder toujours cette sanctification live, pour utiliser le terme anglais, hein? Vivante. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché. Regardez-vous comme mort au péché, comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Romains 6, 11. Rendez grâce au Seigneur Jésus-Christ de ce qu'il vit en vous et que par votre témoignage, Dieu trouve et sauve les âmes perdues qui sont autour de nous. N'oublions pas que Jésus leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'âmes » dans Matthieu 4, 19. Si nous rendons témoignage de notre foi dans le Christ, nous porterons beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, nous dit le Seigneur Jésus-Christ dans Jean 15, 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Pour toute chose, nous avons accès à la puissance du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités du monde. Elle a dit hier, lorsque la dame, elle est assise parmi nous, la dame qui a invité nos invités au déjeuner, elle a dit, lorsqu'elle m'a demandé de venir rendre témoignage, elle ne pouvait pas faire autrement que de répondre au Seigneur, oui, je veux rendre témoignage pour toi. Est-ce que c'est beau de voir que ce désir que nous avons de témoigner autour de nous, de conduire d'autres personnes à Jésus-Christ. La crucifixion précède la sanctification. Le moi, qui n'est pas crucifié au sens figuré, bien sûr, refuse d'être consacré. Le moi qui n'est pas crucifié refuse d'être consacré. On ne peut pas connaître la sanctification, premièrement, s'être identifié, premièrement, à la croix de Christ, mourir à soi-même. Toutes les vérités que nous avons apprises sur la croix, de notre mort avec le Christ, de notre mort au péché avec lui, de notre conformité à la mort comme le grain de blé tombé en terre pour mourir, soit préparatoire à la vie de victoire dans le Seigneur Jésus-Christ. Tous ces enseignements-là qu'on a eus nous démontrent ce que nous avons vu ensemble pendant ces quelques instants sur la sanctification. Malheureusement, l'idée du monde, c'est de considérer la création déchue, notre création déchue du monde, comme capable d'amélioration.
chose impossible. Chose impossible. C'est l'idée du monde. Est-ce qu'on est mieux qu'il y a 2000 ans? Est-ce qu'on est mieux d'il y a 4000 ans? D'il y a 6000 ans? C'est toujours le même cœur. Billy Graham dit dans un de ses messages, il n'y a pas de différence entre une armée qui envoie une fusée ou une bombe, ou qui file, une fusée qui file très, très rapidement dans les airs pour aller détruire une ville, que pour quelqu'un dans la jungle qui court avec un couteau ou une flèche, un arc, un couteau à travers la bouche pour aller tuer son semblable. Le cœur est pareil. L'autre en tue plus en haut, là, avec ses fusées. Mais le cœur est toujours le même. Mais l'idée du monde, c'est quoi? C'est de considérer cette création déchue, je répète, comme capable d'amélioration. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui pensent ça? Peut-être, au début du message, c'est ce que j'ai voulu souligner. On pense qu'on peut améliorer, s'améliorer, mais il faut toujours compter continuellement sur Dieu, à tous les instants de chaque jour. Par sa croix, Jésus met fin aux conséquences de la désobéissance de nos premiers parents, tous ceux et celles qui mettent leur foi et leur confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. N'auront pas la conséquence de la perte éternelle et à tous les instants vont pouvoir glorifier Dieu dans leur vie. Car vous avez été rachetés à un grand prix, nous lisons. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. 1 Corinthiens 6, 20. L'amour de Dieu est vraiment génial. Non seulement il nous aime infiniment, mais il nous donne aussi le vouloir et le faire par son Saint-Esprit en nous. Le même Esprit qui a ressuscité Jésus, le Fils de Dieu, d'entre les morts, habite en vous, agit en vous. Nous avons le pouvoir et la capacité de connaître Jésus, connaître son amour pour nous, d'être remplis de l'Esprit. Reconnaissons par la foi ce pouvoir formidable qui est là, à l'intérieur de nous. Nous ne pouvons plus nous considérer comme faibles, mais une puissance pour la gloire de Dieu. Vous, petits-enfants, vous êtes de Dieu. Et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous, qu'est-ce que la phrase dit ensuite? Est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Pas merveilleux, ça? Fallait arriver à ce verset-là, hein? Le message n'était pas complet sans ça. 1 Jean 4:4. Dieu nous a créés pour rendre témoignage. Sa vie en nous a le pouvoir de transformer notre vie, mais aussi la vie des individus, de faire avancer son royaume pour la gloire, pour sa louange. Paul termine sa prière aux Éphésiens en disant que la paix et l'amour avec la foi soient donnés aux frères de la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 6, 23. Puis dans Éphésiens 6, 24, le verset suivant, que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable. Alors, la prière que j'aimerais suggérer que nous fassions ce matin, c'est « Seigneur, aide-moi à voir ce que je peux faire aujourd'hui qui me maintiendra concentré sur ton but éternel pour moi. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Seigneur, nous nous en remettons entre tes mains. Merci de ta bénédiction sur chacun de nous ici aujourd'hui. Pour ta plus grande gloire, nous voulons te servir et marcher pour toi à chaque instant de chaque jour. Amen. Amen.